Non, c'est mort, mort, mort. C'est mort. Moi, je fais pas DLC. Et là, c'est bon, on devrait être en anonyme. Voilà. Cher Regener, bien vivant même. Dis à mon père que son fils est de retour et prêt à se battre. Je dois lui parler sans tarder. Désolé, Seigneur. Ton père a été emmené. Emmené? Quand? Il y a des semaines. Et il était bien malade quand c'est arrivé. Je n'en sais guère plus. Qui a emmené l'Elderman? Des soldats ou des hommes de Dieu? Il y avait des hommes avec des épées, et d'autres en robe. Et une guérisseuse, qui avait souvent séjourné ici. Galwina, l'une des sœurs en qui mon père a toute confiance. Il a toujours des amis à Lincoln. C'est bon signe. Notamment l'évêque Erefrit. Il a organisé une veille à la maison commune, pour régler les affaires courantes, jusqu'au retour de ton père. Faut-il s'attendre à des ennuis à la maison commune? Tu veux dire des soldats? Oui, il y en a beaucoup, beaucoup plus depuis le départ du père de Hunwald. T'as tout farmé, Yoshi. Nous essaierons d'y entrer discrètement. Je te souhaite bonne chance dans tes entreprises, Danois. Qui était cet homme? Ragener? Il travaille depuis longtemps pour notre maison, d'une loyauté sans faille. Il s'occupe de diverses choses. Il me connaît depuis que je suis tout petit. Un homme simple, mais dont la valeur ne fait aucun doute. Passer par là. Ils sont partout, frère. Bon bah allez. Tu vas bien devoir t'arrêter. Avec moi, suivez mon exemple. Remets ton palais. Il est parti où, lui? Allez, on monte en haut. Par des armes tranchantes qui ressemblent à des lames saxonnes. La pitié du Christ. Essayez de ta vie. Frappez avec moi. Je te redis. Allez, mange. Avec moi, mon frère. Sur le côté.
confirmer le maître. C'est bleu ça. D'où? Mais c'est blanc titane ça aussi. Salut Cécilia, comment tu vas? C'est par où? Ah nice Yoshi. Bien et toi? Ben ça va très très bien. Très 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 bien. Tu fais quoi? Bah je continue Assassin's Creed Valhalla parce que je l'ai toujours pas fini. Donc bah je le continue en fait. Toi, qu'est-ce que tu fais de beau? Par ici, les gars! À l'intrus! Vite! Par ici! Ah, tu m'épuises! Fiche le corps! Toc. Te voilà vengé, mon ami. Allez. Étonnement de me revoir, évêque. M'aurait-on déclaré mort? Oh, pire encore. J'ai le douloureux devoir de t'apprendre qu'on te disait perdu ou mort, accouché avec du Danois dans une piteuse ferme.
Grunwald est venu me demander mon aide et j'ai accepté. Je n'ai rien à voir avec les rumeurs que tu as fait entendre. Je m'inquiète simplement de ce que le fils égaré du seigneur Unbeort nuise à jamais à sa réputation. Voilà tout. Je n'ai aucune patience pour les insultes et les rumeurs. Nous sommes venus parler avec Unbeort, et c'est tout. Le seigneur Unbeort est parti, j'en ai peur. Il n'a pas dit où, mais je suis certain qu'il va bientôt revenir, une fois que la tempête sera passée. De quoi est-ce que tu parles? Quelle tempête? Ton père craignait pour sa vie, Unwald. Affaibli comme il l'était, il n'aurait pas pu se défendre. Surtout pas face à un Danois. Comment oses-tu? Eivor est au-dessus de tout soupçon. Mets-toi à ma place, Unwald. Tu arrives à un moment curieux, accompagné d'un viking en armes, et tu exiges de voir ton père. À mes yeux, cela ne présage rien de bon. Bonne chance pour finir. Ah, t'inquiète, on va le finir. Bon, pas aujourd'hui, parce qu'après, je vais partir jouer avec... je vais partir jouer à autre chose, mais on va le finir au fil du temps, t'inquiète. Unwald a vu de trop près plus d'une lame cette semaine. Je ne fais que le protéger. Ton père a séjourné quelques jours dans mon hospice, où l'on a pris soin de lui. Mais il est parti sans rien dire. C'est tout ce que nous savons. Sans rien dire? Étrange. Il n'est pas du genre à s'éclipser ainsi. Je regrette, Unwald. Nous n'avons eu de cesse de le chercher, mais en vain. Allons, Abbess. Nous devrions laisser le jeune seigneur à ses pensées précipitées. Nous n'avons rien d'utile à ajouter. Sois prudent, mon garçon. Reste dans ces murs. Tu y seras en sécurité. Je vais aller voir ce que je peux apprendre sur ton père. Si mon père a passé du temps dans cet hospice, ceux qui y travaillent savent peut-être quelque chose. Essaie de leur parler et tente de découvrir. Et du coup, le prochain cadeau aura lieu à 25 follow, les gars. 20... Ouais. Alors, du coup... Hop. Ok, donc là on pourra faire la roulade de contre, ensuite ça, et on aura fait ces deux là, et on fera celui-là après. On va faire par étapes, on va faire celui-là, et puis celui-là. Oh, merci, Jo0219, Jo, je vais t'appeler Jo, bienvenue à toi sur la chaîne, merci pour ton follow, poteau. Est-ce qu'on peut améliorer mon inventaire? Peut-être non, pas encore. Ça demande trop de ressources, là. Là, on va finir d'améliorer la capuche, comme ça je pourrais la passer en mythique, après. Et après, on améliorera le reste. Je pense à améliorer ma hache, après, parce que c'est ça qui me sert à faire des dégâts. Ouais, ma hache, comme ça, elle va passer à 100 et tout de dégâts, ça va être cool. Bienvenue à toi sur la chaîne, n'hésite pas à parler, Joe. Je t'appelle Joe, hein, poteau. Il faudra un jour que je me fasse une petite session où je fais que de choper. Que de choper. Comment ça s'appelle? Des. Le père de Unwald s'est fait soigner ici récemment. Quelqu'un l'a peut-être vu partir. Hello, prenez marteau, meilleure arme. Ah ben non, moi j'aime pas les marteaux. Est-ce que le bug va marcher? Non. J'aime pas les marteaux, moi, Joe. Moi j'ai deux marteaux. Bah moi j'ai la hache. En vrai j'ai la même hache que depuis le début. Et je kiffe. Après j'avoue j'ai pas trop testé les marteaux. Après moi je joue avec un comment ça s'appelle
Un bouclier aussi, ça aide. Après, je sais pas si j'ai des marteaux en vrai. Ah si, j'ai des marteaux. Marteau de forgeron. J'ai même un truc comme ça. En vrai, j'en ai qu'un de marteau. J'ai le marteau de forgeron, j'aime pas trop. Après, il est pas du tout amélioré, alors que mon arme là, elle est quand même large, plus puissante. Mais après, j'aime bien. Tu l'as fini, toi, Joe, le jeu, non? Oh, 107 mètres, il va falloir que j'y aille. Voilà, ma porte d'entrée. Pas loin. Putain, mais moi, j'en suis encore loin de le finir. Oh, ne me fais pas de mal. Ces pauvres gens ont besoin de moi. Calme-toi. C'est le seigneur Unvald qui m'envoie. Il m'a demandé de parler aux gens ici. Unvald. Voilà un nom que je pensais ne plus entendre. Je ne te ferai rien, ni à ceux que tu soignes. Je cherche simplement ton Elderman. Je risquerai ma tête en te parlant. Et si on me la tranche, ces blessés et ces malades me suivront dans... Salut, Bismok. Et ton Elderman serait d'accord. Alors plus tôt je le trouverai, plus tôt ces gardes quitteront ton hospice. Ah ouais, perso à 351, frère. Mais t'as terminé l'histoire principale, non, Joe? Moi, c'est l'histoire principale que je veux terminer. Moi, je suis qu'à... Je suis même pas à 200 encore, dis-le, de level de perso. Je suis 150, je crois, ou presque 160, un truc comme ça. Il n'y a pas de tel lieu à Lincoln. Alors, je me suis dit qu'il parlait des ruines au sud d'ici, près des murailles est. Des ruines au sud? Je vais aller voir, merci. Je prie pour que tu le retrouves. Il a besoin d'être soigné. Attendez, je vais demander si je peux aller jouer avec les cartes après. Soit la Fennec, soit la Octave. Donc bon. Bon, le tournoi. Je vais demander. Je vais m'enregistrer. Bon. Juste mettre pause. Yo, comment il va? J'ai laissé sur pause. Mais il s'en est sorti et est parti à l'est vers le château de Bolingbrook. C'est ma meilleure piste. Bah ouais, mais Bismok, mais en même temps, on n'est pas nombreux encore sur le Discord, là. On n'est pas nombreux, puis on connaît Discord. Les gens, ils viennent pour faire plaisir, mais ils parlent pas forcément. Donc après, c'est à nous à parler souvent, à recruter des gens qui sont actifs, etc. Animer, essayer d'animer un maximum de canal. Parce que je vois le canal film, série, tout ça, il y a que moi qui l'anime. Il y a personne qui va prendre 5 minutes pour aller mettre des petits trucs. Regarde, ce matin, j'ai balancé plein de trucs. Essayer d'animer un peu tous les canaux, voilà, pour essayer de rendre actif tout le truc, tu vois. C'est compliqué, hein. Après, je dis pas c'est simple, hein. C'est compliqué. On repart de zéro, les gars. On repart vraiment de zéro. Et on n'a pas une commu à 50 000, 60 000 abos ou 100 000 abos pour rendre le truc ultra actif. Et c'est à nous à faire en sorte que les gens y viennent, tu vois. C'est pas l'inverse. Attendez, hop. Même si je mets Sonic 2, c'est quoi Sonic 2?
Je dois redoubler de prudence par ici. Va, Sénine. Ouais, bah, de toute façon, le canal Film Syrie, c'est pour tenir informés les gens. Tu vois, après, vous pouvez lancer des sondages. Tu vois, en mode, hey, vous pensez quoi de ce truc-là? Vous pensez quoi de telle série? Vous pensez quoi de ça, etc. Après, moi, je peux pas tout faire non plus. Faut que vous preniez le temps de le faire aussi, tu vois. Après, c'est compliqué hein, de rendre actif un serveur, hein, mais il faut, tu vois. Plus il y aura de gens qui parlent, plus mieux ça sera, tu vois. Toi, tu me saoules, toi. Ah ouais? Moi, je vais te prendre tout court, mon pote. Sois mes yeux, Sinine. Ah oui, d'accord. À crever! Ouais! Pas gentil ça. C'est pas très très gentil quand même. Elle est là, la clé. Vas-y. Allez. Salut Adem le Geek. Comment tu vas? Putain. Rentre chez toi. Bon, il faut que j'aille péter sa truc. Bah ouais! Pourquoi tu viens plus? Venez les gars, moi je suis là! Hein. Venez jouer! Enfin, venez regarder, jouer, parler! Quelqu'un s'est infiltré.
Bah, une foule, lui. Va faire une erreur. Arrière. Ah, quand même. Tu sens mon souffle sur ta nuque. Hop. On va passer par là. Ça brûle. Oh. On trace, hein. Tu joues sur quoi? PC. Je suis sur PC, Poto. Wow, 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 wow. Ou 450 d'XP lui. Non, je joue sur PC sur ça. Mais après oui, j'ai la PS4, la Switch et la Xbox aussi. Mais vu que les jeux Xbox sont sur PC, là il faut que je trouve comment formater mon disque dur externe de la Xbox One pour le faire utiliser sur PC. Comme ça j'aurai 4 Tera de disque dur en plus. Et ce sera parfait pour installer plein de jeux. Pouvoir faire une putain de diversité de jeux en live, parce que là c'est un peu juste avec mon stockage actuel sur le PC. Je suis pas fouille fouille chou. Ouais, j'ai fait ma pute. Je suis sur la bonne piste. Ce donjon est bien protégé. Non, en fait, si tu veux, j'ai ça. En fait, si tu veux, Bismog, j'ai ça. Qui est un disque dur externe que j'ai acheté pour ma Xbox. C'est-à-dire, c'était un disque dur externe qui était vendu, qui est fait pour la Xbox, qui était vendu avec, enfin, pas avec, mais à côté. Où dedans, j'avais, par exemple, Sea of Thieves en jeu gratuit quand il était sorti. Le disque dur fait 4 Tera. Donc, vu que on peut formater le disque dur pour s'en servir sur PC, et du coup, j'ai 4 Tera sur PC, parce qu'au final, c'est un disque dur Seagate qui marche, enfin, classique, tu vois, mais c'est un disque dur 4 Tera, et en gros, je veux vider le disque dur, le formater, pour pouvoir l'utiliser sur mon PC, parce que là, il est formaté pour se servir que sur les plateformes Xbox. Que sur les plateformes Xbox, pas sur PC mais sur Xbox. Donc il faut sûrement, il va falloir sûrement que je rallume ma Xbox, que je le formate depuis ma Xbox pour que je puisse m'en servir de mon PC. Comme ça j'aurai 4 Tera de plus sur mon PC et avec 4 Tera je pourrai installer pas mal de jeux. Donc voilà. Et comme ça j'aurai ça m'évitera d'acheter un disque dur externe parce que je voulais me racheter un disque dur externe et j'ai vu l'autre jour sur un groupe que c'était possible de faire ça. Donc du coup je me suis dit ah bah attends, moi j'ai 4 Tera qui me servent à rien. Parce que je me sers plus de ma Xbox, bah autant les utiliser sur mon PC. C'est bien aussi, tu vois. Vous vous êtes conduit comme un roi né à une époque de l'ombre. Vous avez mérité un long repos. Je
voilà, monseigneur. Tout est préparé. Êtes-vous prêt à être lavé? Hein? Qui est là? Bienvenue, étranger. Tu es venu rendre hommage à notre seigneur Elderman? J'ai entendu parler en entrant. Tu parlais avec lui? Ah, trop bien, Yoshi. Parle à travers toi? Je ne sais pas trop comment appeler cela. Les mots se forment dans mon esprit et je les prononce. Souvent, ils sonnent comme ceux de mon seigneur. Puis-je lui demander une faveur? Au nom de son fils, Unvald. Tu peux essayer, mais il ne parle jamais en présence d'autres gens. Unvald mérite de savoir ce qu'est devenu son père. Il est son héritier, et mérite une chance de devenir Elderman lui-même. Le moment venu, j'imagine. Non, maintenant. Lorsque nice. Et du coup, il y a les enchants. T'as mis quoi comme enchant sur le stuff? Tu peux mettre combien d'enchants différents par stuff? À l'infini, tant que c'est des enchants pour le stuff? Ou genre, tu sais, tu peux mettre tranchant, résistance aquatique, résistance feu, résistance machin, raccommodage, machin, ou t'es limité à un nombre spécifique d'enchantements? Mais Unvald voudra une preuve. Bien sûr. Fouille librement dans ses affaires. Mais je ne peux te dire quel objet pourrait te satisfaire. Je trouverai quelque chose. Ah, des déjections de rats partout. Même mort, mon seigneur est l'ami de toutes les créatures de Dieu. Je ne sais pas ce que c'est. Je préfère ne pas demander. Oui, j'ai pensé la même chose. C'est troublant. Des herbes et des baies, séchées et réduites en poudre. Le délai entre le départ de mon seigneur et ses funérailles est plus long que de coutume. Monseigneur doit rester présentable pour les rites à venir. Des vêtements moisis. Et une broche ornée d'un blason. La maison du cygne féroce. Cela fera l'affaire. Je vais rapporter cette broche à Unvald, à Lincoln. J'espère que cette triste nouvelle ne l'éprouvera pas trop. Je vais checker ce que dirait Ify pour le serveur. Du coup, j'ai voulu te faire peur. J'ai voulu te faire une blague dans ta maison. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'après, c'était que les OP qui gardaient leur stuff. D'ailleurs, oui, il faut que je vois ça. Il faut que je vois ça avec Maxime. Les OP, ils conservent leur stuff à la mort. Je peux me donner du fer, ça me spamme pour avoir du fer. Hein, si tu veux. Je t'enfile vite un petit peu si tu veux. Alors attends, rapporter la broche à Unvald. Unvald il est là, frère. Oh non, j'ai pas fait la synchronisation. Putain, je suis vraiment un enculé. Hein. J'ai pas fait la synchronisation. Oh putain. Bon, ben, retour à pattes. Bon, c'est pas grave, qu'est-ce qu'on va faire? On va sortir de là, déjà. Et après, on va s'arrêter là. Re. Toujours sur Assassin's Creed? Ouais. Ouais, là, j'ai bien avancé, hein. J'ai fait deux zones, je suis à la troisième là que j'ai fait. J'ai fait, tu sais, les sexes là où j'étais tout à l'heure là. Et Vinland ou je sais pas quoi là. Pour aller tuer un mec de l'ordre. Ouais. Du coup j'ai tué le deuxième de l'ordre là, un deuxième de l'ordre. Et là, ben maintenant j'ai plus d'indices sur personne, du coup il faut que je tryhard. D'accord.
Là, je fais la zone, comment elle s'appelle? Lincolnholm ou je sais pas quoi. Lincolnshire. Voilà, je suis là, là. Et ouais, j'ai fait la zone normale. Après, tu te donnes une autre zone quand tu vas tuer, comment il s'appelle, de l'ordre. Quand tu as tué, voilà, Gorn Jotveson, il te donne une autre zone que le monde normal, Ouais. qui est assez rapide. Du coup, je l'ai faite. En fait, le mec, Ouais. j'ai trouvé de la chatte, quoi. En fait, t'es dans la zone et tu dois globalement faire le tour des campements, etc., jusqu'à le trouver, quoi. Ouais. Et en gros, premier camp que je fais, il était là. J'ai mis trois coups de hache, il était mort. J'étais là. Ah, d'accord. En plus, c'est chiant quand tu vas dans cette zone, t'es à poil, t'as plus de stuff. Tu Ah ouais? repars de zéro, il te redonne. Tu dois racheter du stuff et tout le bordel. Genre, j'avais un brassard, des jambes et une espèce de massue là. Et je l'ai défoncé. Du coup, je dis, ah bon, bah d'accord, la zone elle est rapide en fait. C'est une espèce de zone chez les Indiens là. Ils te parlent une langue, tu comprends pas. Les sous-titres, ils sont dans la langue qui te parle, du coup, tu comprends pas. Je dis, c'est utile. Je te mets un supplément de potion de vision de nocturne. Ouais, vas-y, mais enchante comme tu veux, frérot. Duck, duck. Je vais m'arrêter là, en vrai, je vais sauvegarder. Suis quasiment à 47 heures de jeu là quand même. Là, tu vas me rattraper. Ouais, je tryhard là.